Alors, on continue. On va voir maintenant ce qu'on appelle les mémoires RAM. Alors, on va voir une définition. La mémoire RAM, c'est quoi? La RAM, c'est une structure composée de plusieurs cellules et mémoires de la même taille. Ça, c'est une mémoire RAM. Alors, avec la définition, on peut dire que la RAM, c'est un composant électronique qui permet de mémoriser l'information. Il va mémoriser l'information. À l'intérieur, il est structuré par plusieurs cellules mémoire. Ça veut dire les valeurs, ils sont sauvegardées dans des cellules. Ces cellules, ils ont toutes la même taille en bits. Elles ont toutes la même taille en bits. Avant de continuer, j'aimerais parler un peu de l'acronyme du terme RAM. Alors, RAM, c'est un acronyme. Ça veut dire R-A-M. A une signification, RAM signifie Random Access Memory. En anglais, c'est Random Access Memory. En français, ça veut dire c'est un accès aléatoire aux cellules de la mémoire. Accès aléatoire, ça veut dire dans la RAM, tu peux accéder à la première cellule comme tu peux accéder à la troisième, à la dernière, d'une façon aléatoire. Il n'y a pas de restriction. Pourquoi ça parle de ça? Réellement, c'est tout à fait instinctif de savoir qu'on peut accéder aléatoirement à toutes les cellules. Mais il faut savoir que historiquement, ça n'était pas toujours le cas. Le début de la technologie des mémoires, c'était pas accès aléatoire, c'était un accès séquentiel. Les débuts des mémoires, généralement, il y avait des types que lesquels on pouvait accéder, on pouvait pas accéder directement, aléatoirement aux cellules. Il fallait passer séquentiellement. Ça veut dire, si vous voulez accéder à la dernière cellule, il faut parcourir toutes les cellules, de zéro jusqu'à la dernière, pour accéder à la dernière cellule. Ça, c'est un accès séquentiel. Alors, pour faire la distinction, il y a ce type de mémoire qui a un accès aléatoire. Le terme a survécu, et jusqu'à maintenant, on utilise le terme RAM. Malgré que toutes les mémoires maintenant, ils sont aléatoires, ils ont un accès aléatoire. L'accès séquentiel, il est rarement utilisé. Ça, c'est ça là, la signification du terme RAM. Alors, le deuxième point, elle est fortement définie comme un pardon, elle est formellement définie comme un tableau avec des cellules indexées comme adresse. Ici, pour comprendre le concept d'une mémoire RAM, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une notion que vous connaissez très très bien, c'est les tableaux dans la programmation. Par exemple, dans le langage C, tableau. Vous connaissez très très bien les tableaux. La RAM, c'est similaire à un tableau. Elle est similaire à un tableau. Un tableau, par définition, c'est quoi? C'est plusieurs cellules contiguës, l'une après l'autre. Dans le tableau, les cellules de tableau, on peut lire l'information ou bien on peut écrire l'information. La mémoire, c'est la même chose. Elle contient des cellules. Chaque cellule, toutes les cellules, elles ont la même taille et elles sont contiguës l'une après l'autre. Dans le tableau, les cellules aussi, elles sont indexées. Elles sont indexées. La première cellule, c'est la cellule 0. La deuxième, c'est la cellule 1. La troisième, c'est la cellule 2. Et ainsi de suite. Pour la mémoire, c'est exactement la même chose. La première cellule, elle a l'adresse. On ne dit pas un index, elle a l'adresse. L'adresse va remplacer l'index. Elle a l'adresse 0. La deuxième, elle a l'index 1. La troisième, l'index 2. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà, ça c'est la technique d'adressage des cellules à l'intérieur de la RAM. Et on va terminer par deux caractéristiques pour les RAM. Chaque RAM, elle contient ces deux caractéristiques. Sont assez importantes. Si vous voulez utiliser une RAM, vous devrez connaître ces deux caractéristiques. La première, c'est la taille, ou bien la capacité. Ça représente la quantité d'informations que la RAM peut contenir. Et il y a le mot mémoire. Le mot mémoire, il est assez simple à définir. C'est le nombre de bits se trouvant par cellule. Par exemple, toutes les cellules, elles peuvent, par exemple, être sur 8 bits. Elles ont toutes la même taille. Elles sont par exemple sur 8 bits, sur 16 bits, sur 32 bits, et ainsi de suite. Voilà. On va voir ça sur un schéma. Ici, c'est la représentation de la RAM. On voit ici la RAM. On voit les cellules. Elles sont contiguës l'une après l'autre. La première cellule, elle a l'adresse 0. La deuxième, l'adresse 1. La troisième, voilà. Et ainsi de suite. On continue jusqu'à la dernière cellule qui a l'adresse n-1. N-1. N ici, c'est le nombre de cellules.
L'adresse n-1, alors c'est tout à fait normal parce qu'on avait commencé par l'adresse 0, ça veut dire que la dernière, elle serait n-1. Si on avait commencé par 1, ce serait n. Mais les RAM, c'est ça. Les RAM, toujours, la première cellule, elle a l'adresse 0. La deuxième, c'est 1, et ainsi de suite. Ça fonctionne de cette manière. Ça fonctionne de cette manière. Les deux caractéristiques, ici, c'est la taille, c'est le nombre de cellules. Et on a le mot mémoire en bas. C'est la taille de la cellule en bits. La taille de la cellule en bits. Ici, il y a un petit raccourci dans la définition de la taille. Ici, la taille, c'est le nombre de cellules, ce n'est pas exactement ça. Mais je vais expliquer. Il faut savoir que 99% des mémoires actuelles, ils ont le mot mémoire est égal à 8 bits. C'est la majorité, c'est 99%. Ils ont 8 bits. 8 bits, c'est un octet. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la taille mémoire, c'est généralement le nombre d'octets, le nombre de cellules, puisque chaque cellule est représentée par un et quantifiée par un octet. Ça veut dire, si par exemple j'ai une mémoire de 8 cellules, ça veut dire j'ai une mémoire de 8 octets. Mais cette règle n'est pas totalement absolue. La formule exacte, c'est la taille est égale à le nombre de cellules fois la taille d'une cellule, fois le mot mémoire. Si par exemple vous allez une mémoire un peu différente, par exemple si on prenait une mémoire avec le mot mémoire est égal à 4 bits, ça existe, ça existe. Supposons qu'une mémoire, son mot mémoire, il est de 4 bits. Ici c'est différent, la taille c'est différent. Ce n'est pas le nombre de cellules, mais c'est le nombre de cellules divisé par 2. C'est tout à fait normal. Si par exemple vous avez 8 cellules, chaque cellule elle est de 4 bits. Alors la taille combien? Normalement, c'est 4 octets. C'est 4 octets. Puisque chaque cellule, elle représente la moitié d'un octet. Et j'ai 8 cellules. Alors 8 fois 1,5, ça donne 4. La formule exacte, c'est la multiplication. Entre le nombre de bits, la taille d'une mémoire, c'est la multiplication du nombre de cellules fois la taille du mot mémoire. Mais je vous ai dit, la plupart des mémoires, ils ont une taille de 1 octet. Pardon, ils ont le mot mémoire de 1 octet, ça veut dire que la taille est égale à au nombre de cellules. Voilà, on va écrire la formule. La taille est égale à le mot mémoire multiplié par le nombre de cellules. Multiplié par le nombre de cellules. Ça, dans 99%, est égal à 1 octet. Lorsqu'il est égal à 1 octet, la taille mémoire devient le nombre de cellules. Voilà, la formule, elle est très simple. La formule, elle est très simple. Je voulais aussi souligner ce qu'on appelle l'écriture d'une RAM. Généralement, la RAM, formellement, on l'écrit avec la syntaxe d'un tableau. Alors, si vous voulez, par exemple, adresser une cellule d'une RAM, on l'écrit de cette manière. Alors j'écris par exemple RAM ici, il reçoit par exemple la valeur 1. Ça c'est une instruction en langage C. Ça veut dire que ici, la RAM, je l'ai écrit en utilisant la syntaxe d'un tableau. La RAM ici, ça indique, ça c'est la RAM et ça c'est l'adresse. Ça c'est l'adresse. Ça c'est l'adresse, l'adresse 2. Ça veut dire cette cellule, elle va recevoir la valeur 1. Je vais écrire la valeur 1 dans la cellule avec l'adresse 2. Voilà, on écrit de cette manière. On écrit de cette manière. Ça, c'est l'écriture. Bien sûr, il y a aussi la lecture et ainsi de suite. Les deux opérations effectuées sur les mémoires, qui sont l'écriture et la lecture. L'étape suivante, c'est de voir la connexion du CPU vers la RAM. Alors ici, on va voir comment un CPU il peut utiliser la RAM pour stocker et sauvegarder ces informations. Ici, ce n'est pas spécifique au CPU. N'importe quel composant peut utiliser la RAM de la même manière, même si ce n'est pas un CPU. Alors, la communication avec une RAM, le circuit de la RAM passe par trois connexions, ou bien trois bus. Premier bus, le bus est le bus de données. C'est le bus responsable de la transmission des données. Alors, c'est un bus bidirectionnel avec un nombre de bits égal au mot mémoire. On va revoir ça. Il y a
Le bus d'adresse, c'était un bus unidirectionnel de taille log 2, taille de la rame. On va revoir ça aussi. Et il y a le dernier bus, c'est le bus de commande sur un seul fil, sur un seul bit, ici c'est un seul bit, transmettant les deux commandes read-write. Voilà. Sommairement, c'est ça. Il y a trois bus à utiliser pour communiquer avec la RAM ou bien pour n'importe quel composant pour qu'il puisse utiliser une RAM. On va voir le schéma suivant. On a, ça c'est le processeur et ça c'est notre RAM. Alors la RAM envoie nos cellules, plusieurs cellules. Et il y a bien sûr le processeur. Ici, les deux bus, bus d'adresse et bus de données, ils sont schématisés. Le bus de commande, je vais le schématiser à la fin. Pour l'instant, on va se concentrer sur ça. Alors, il y a ces deux bus qui sont les principaux bus pour faire la communication entre le CPU et la RAM. Alors, la RAM, elle contient plusieurs cellules. Chaque cellule, elle peut sauvegarder une donnée. Et le CPU, il a deux opérations. Il peut lire de la RAM, depuis la RAM, ou bien il peut écrire sur la RAM. Ici, la communication, elle doit se faire par une seule cellule. Ça veut dire, le processeur, par exemple, il ne peut pas, par exemple, lire plusieurs cellules à la fois. Il ne peut lire qu'une cellule à la fois. Par exemple, je vais prendre 3A. Cette cellule, par exemple, elle contient la valeur, par exemple, 1. Disons un exemple, elle contient la valeur 1. Supposons par exemple que le processeur, il veut lire la valeur se trouvant sur cette cellule. La valeur 1, elle va se transmettre par ce bus vers le processeur et le processeur, il va la sauvegarder dans sa mémoire interne. Sa mémoire interne, les processeurs, leur mémoire interne, c'est les registres. C'est les registres. Le seul moyen de sauvegarder une information à l'intérieur d'un processeur, c'est en utilisant les registres. Supposons par exemple, il a pris cette cellule. Alors, la règle ici, c'est que le processeur ne peut pas prendre deux ou trois cellules en même temps. Il ne peut prendre qu'une seule cellule. D'ailleurs, c'est pour cette RAM, c'est pour cette raison que la RAM est subdivisée en plusieurs cellules. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi ? Ici, on peut constater facilement que le bus de données, il doit avoir la taille de le mot mémoire. Ici, par exemple, on a le mot mémoire, on va dire ici, le mot mémoire, supposons par exemple, le mot mémoire, c'est 8 bits. Ça veut dire une seule cellule, elle comporte 8 bits. Ça veut dire lorsque le processeur, il travaille sur une cellule, il va utiliser 8 bits. C'est pour ça que ce bus, il doit avoir la taille du mot mémoire, la taille de la cellule, parce que le CPU, ou bien le processeur, il travaille par unité de cellule. Il travaille par unité de cellule. Donc, il transmet la quantité d'une cellule, ou bien il reçoit la quantité égale à une cellule sur le bus de données, c'est très simple. Alors, on va écrire ici, ça c'est un exemple de 8 bits, mais je vais écrire ici mon mémoire, ça veut dire la taille de la cellule. La taille de ce bus est assez simple à calculer, c'est toujours la taille du mot mémoire. C'est toujours le cas, c'est toujours ça. Alors, on va supposer par exemple, on sait qu'on a deux opérations, la lecture et l'écriture. Supposons par exemple le processeur veut écrire une information, par exemple l'information 3. Il va l'émettre par ce bus. On va supposer que la taille c'est 8 bits. On va supposer que la taille ici elle est sur 8 bits. Ça veut dire que le mot mémoire il est sur 8 bits. Voilà. Ici, on va dire que la valeur 3, elle sera transmise en binaire. On va la représenter en binaire pour voir exactement comment ça se passe. Voilà, en binaire, ça va être représenté de cette manière. Chaque fil, il va transmettre son information adéquate à travers ce bus. La direction, cette fois-ci, c'est comme ça. Le processeur va écrire. Ça veut dire que c'est la direction du processeur vers le CPU. Ça, c'est l'information. Maintenant, la localité où l'information va être sauvegardée,
Cette information va aussi être transmise par le processeur en utilisant le bus d'adresse. On a le processeur, il veut écrire une information, mais à quelle place, sur quelle cellule, il doit donner l'adresse de la cellule et cette donnée, elle doit passer par le bus d'adresse. Supposons par exemple, il veut, on va prendre au hasard, il veut par exemple sauvegarder ici, la cellule 2. Il doit passer la valeur binaire de ici vers la RAM pour que la RAM puisse sauvegarder effectivement la valeur 3 dans la cellule 2, adressée par 2. Voilà, ça se passe de cette manière. Ça se passe de cette manière. C'est comme ça que le CPU, il peut travailler avec la RAM. Il peut travailler avec la RAM. Ça, c'est une écriture. La lecture, c'est la même chose. On va rapidement faire un exemple. C'est exactement la même chose. 8 bits. Voilà, supposons par exemple que le processeur veut lire, je ne sais pas, la valeur qui se trouve par exemple dans l'adresse 1. On va dire que c'est l'adresse X. On va donner un exemple derrière. On va dire que on va dire par exemple c'est la valeur 4. Valeur 4 en binaire. La valeur 4 est sauvegardée dans la cellule avec l'adresse 1. Le CPU veut lire cette adresse. Le 4 va être transmise en suivant cette direction, ça veut dire le sens contraire, dans le bus de données, que l'écriture. Le 4 ici, il va être transmis en binaire, de cette manière. Voilà, ça c'est la valeur 4 en binaire. Bien sûr, le CPU, il doit indiquer l'adresse de la cellule sur laquelle il veut lire, de laquelle il veut lire. Il va passer la valeur, ça c'est l'adresse 1, il va passer la valeur 1 ici. Il va passer la valeur 1 ici. La RAM, elle sait maintenant que le CPU veut lire la valeur se trouvant dans la cellule avec l'adresse 1. Dans la cellule avec l'adresse 1 et elle va lui faire passer dans le bus de données cette valeur qui se trouve 4 et le CPU, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la sauvegarder dans ses registres. Voilà, ça c'est l'opération de lecture et d'écriture. Voilà, juste pour continuer sur le même élan, on va aborder le troisième bus qui est le bus de commande. Le bus de commande, il est aussi unidirectionnel, il part du processeur vers la RAM. On avait dit que sa taille est de 1 bit, c'est un seul fil, il contient la commande. La commande, c'est le CPU, il a deux opérations sur la RAM, il n'a que deux opérations sur la RAM, il peut lire ou bien écrire. Alors, c'est 0, la valeur 0, puisque c'est un seul fil, il a deux valeurs. La 0, c'est pour le read. Un exemple là, ça peut être l'inverse, mais c'est seulement deux cas qui sont pris en compte. Voilà, ou bien le 1 write, ou bien l'inverse, ça dépend de la RAM. Mais c'est ça, généralement c'est ça, il y a un seul fil. Ce fil, il va transmettre la commande vers la RAM. Ça veut dire que le CPU, il peut commander la RAM s'il veut. Une lecture, read, il envoie la valeur 0 binaire. S'il veut une écriture, il envoie la valeur 1 pour écrire. Voilà, ça globalement, c'est le mécanisme qui permet de commander la RAM, qui permet de communiquer avec la RAM. Ici, on a pris le CPU, mais généralement, n'importe quel composant qui veut utiliser une RAM, il va l'utiliser de cette manière. Il va utiliser ce bus bidirectionnel pour les données, pour lire et écrire. Ce bus unidirectionnel qui part, dans ce cas précis, du CPU vers la RAM, qui donne l'adresse de la cellule sur laquelle va s'effectuer l'opération. Et le troisième bus, c'est un bus sur un seul bit qui va transmettre la commande. Est-ce que le CPU, il veut lire ou bien il veut écrire de la RAM? De cette manière, la RAM, elle sait l'opération. Est-ce qu'elle va faire une opération d'écriture ou bien elle va faire une opération de lecture?
de lecture. Voilà, globalement, ça fonctionne de cette manière. Un dernier détail à dire aussi, c'est que la direction ici, bien sûr, c'est normal que le composant qui demande l'opération, il va envoyer l'adresse. Ce bus ne peut pas être bidirectionnel, c'est impossible pour les adresses. Toujours l'adresse, c'est la RAM qui reçoit l'adresse pour savoir sur quelle cellule elle doit travailler. Elle doit effectuer l'opération. La même chose ici, c'est le bus de commande, il ne peut pas être bidirectionnel. La RAM elle ne peut pas commander. La RAM, c'est un composant passif. On dit que la RAM, c'est un composant passif. Ça veut dire elle exécute ce qu'on lui demande. Elle exécute ce qu'on lui demande. Ici, la direction, c'est aussi la même. C'est du CPU vers la RAM. Ça veut dire que c'est le processeur qui va imposer la commande. Va imposer la commande. Ici, il y a un calcul du log. Si vous vous rappelez, on avait parlé du log. Le log, il va nous permettre de calculer le nombre de fils ici. Il va permettre de calculer le nombre de fils ici. Le nombre de fils ici, il est connu. Très simple. C'est la taille du mot mémoire. Ici, c'est toujours 1. Mais là, c'est inconnu. Là, c'est inconnu. Là, c'est variable. Réellement, c'est variable. C'est variable en fonction de quoi? Voilà, c'est variable. Je vais écrire, c'est variable. C'est variable en fonction de la taille de la mémoire. La taille, je vais être plus précis. C'est en fonction du nombre de cellules. C'est du fonction du nombre de cellules. Je vais écrire ici 1. N, pardon. Ici, je vais écrire N. Travailler avec N. Je vais écrire N. N pour décrire le nombre de cellules. Ce N, ça veut dire le nombre de cellules, il va influencer directement la taille du bus d'adresse. Comment cela? C'est très logique. Cette opération, elle est très logique. Alors on va un peu nettoyer. Cette opération, elle est très logique. Elle est très claire, vous allez la voir. Elle est même intuitive. C'est que, voilà, on a ici N cellules. On a N cellules. Si on a n cellules, combien, la question qui se pose pour répondre à cette question, le nombre, à la question du nombre de bits dans le bus d'adresse, c'est combien de bits ils sont nécessaires pour pouvoir énumérer toutes les adresses, pour pouvoir écrire toutes les adresses. Supposons ici, par exemple, on suppose que n est égal à 8. C'est un exemple simple. On va dire que N ici est égal à 8, ça veut dire 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7. Ici, ce sera 7. 1, 2, 3 jusqu'à 7. En binaire, combien faut-il de bits pour écrire des valeurs de 0 jusqu'à 7? Alors, vous connaissez ça très très bien. On sait que pour écrire ces 8 valeurs, il nous faut 3 bits. Je vais te donner la formule, mais intuitivement, on sait qu'il faut 3 bits. Voilà, je vais faire l'exemple, par exemple, 3 bits, le 0, je vais l'écrire de cette manière. Le 1, de cette manière, et je continue le comptage jusqu'au 7, qui est écrit de cette manière. 1, 1, 1. Voilà. Ça, c'est mes 8 valeurs. Mes 8 valeurs, chaque adresse, elle est écrite de cette manière. Le 0, elle est écrite comme ça. 3, 0, 0, 0, 0. Le 1, c'est 0, 0, 1. Le 2, c'est 0, 1, 0. Le 3, c'est 0, 1, 1. Le 4, c'est 1, 0, 0. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière adresse qui est le 7, c'est 1, 1, 1. Et ça, on connaît très très bien ça en binaire. C'est les transformations binaires. On connaît très très bien ça. Ça veut dire, c'est la puissance de 2. Je vais écrire la formule. La formule, c'est ça. C'est que n, la taille de la mémoire, ou bien le nombre de cellules, est égal à 2, le nombre de bits dans le bus d'adresse. Voilà. Je vais écrire ça. Adresse, je vais la symboliser par l'arobase. Ici, c'est le nombre de bits. C'est le nombre de bits d'adresse. Ça, c'est notre formule. Ça, c'est notre formule. Lorsqu'on avait, par exemple, n est égal à 8, ça veut dire que le nombre de bits pour le bus d'adresse, ça doit être 3. Ça doit être 3. Ça doit être 3. Comme ça.
On va faire un autre exemple. Supposons par exemple que n est égal à, supposons que n est égal à 16, par exemple. Ici, on va déduire, en utilisant la même méthode, on va déduire le nombre de bits du bus d'adresse. Voilà, ici, n est égal à 16. Si n est égal à 16, ça veut dire... Voilà, je vais écrire ici 16. Ça veut dire que la puissance ici doit être égale à 4. C'est 2 à la puissance 4. C'est 2 à la puissance 4. Et voilà, c'est ça la règle. C'est ça la règle qui va nous permettre de calculer le nombre de bits dans le bus. On va un peu plus évoluer cette formule. On avait vu dans la définition que cette formule utilise le log. C'est la même chose, on va un peu l'évoluer. Qu'est-ce qu'on va faire? Mathématiquement, on va insérer le log 2 dans les deux parties de l'équation. Algébriquement parlant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans les deux parties de cette équation, on va utiliser le log 2. On va insérer le log 2. On va appliquer le log 2 dans les deux parties. Bien sûr, pourquoi le log 2? Log 2 parce que c'est la fonction inverse de la puissance de 2. C'est la fonction inverse de la puissance de 2. Si on l'applique, par exemple, ici, ça va, je fais log 2 de la puissance a, la fonction et la fonction inverse, ils vont s'annuler, ça va rester que le a. Voilà, je vais l'écrire. Si j'applique log 2 dans cette partie, ça va devenir a, arrobase, bien le nombre de bits dans le bus d'adresse. Voilà, ça c'est arrobase. Est égal à le log 2 ici est aussi appliqué, je vais l'écrire, c'est log 2 de n. Et voilà. Et voilà. C'est ça la formule du log. D'où vient la formule du log? C'est très simple. C'est que vous allez prendre n qui représente le nombre de cellules dans une RAM, j'applique log 2 et j'obtiens le nombre de bits dans le bus d'adresse. L'étape suivante consiste à ce qu'on appelle la segmentation de la RAM. On va essayer de segmenter la RAM. Alors, c'est quoi la segmentation? La segmentation, c'est la subdivision de la RAM en plusieurs plages à taille égale. Voilà, la segmentation, c'est ça. Ça veut dire on va prendre la RAM, on va la subdiviser à l'intérieur sur des parties égales tout au long de la RAM. On va créer des plages. On va créer des plages à l'intérieur de la RAM. Comment on va faire? La subdivision de la RAM, elle est logique et non physique. Alors, avant juste de préciser comment on va faire, on va expliquer ce genre de subdivision. Cette subdivision, elle n'est pas physique. Ça veut dire physiquement, électroniquement, la RAM, elle ne va pas changer. On ne va pas la modifier. On ne va pas la modifier. Mais on va utiliser un truc pour que une division logique soit effectuée sur la RAM. On va effectuer une subdivision logique de la RAM. Ça veut dire la RAM physiquement, elle ne va pas changer, mais logiquement, la façon de lire la RAM, ça va être pris comme plusieurs parties. On va lire comme plusieurs parties. Pour faire la segmentation, on va utiliser ce qu'on appelle le découpage des bits du bus d'adresse. C'est très simple. Pour segmenter la RAM à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bus d'adresse, on va prendre les bits du bus d'adresse et on va les séparer. On va les séparer. Cette séparation logique, elle va à l'intérieur subdiviser la mémoire en plusieurs plages égales. Alors, pour bien comprendre, on va faire un exemple. On va travailler sur l'exemple ci-dessus et on va voir comment on va pouvoir faire la segmentation. Alors, dans l'exemple, on peut remarquer qu'on a 0, 1, 2, 3 jusqu'à 15. Ça veut dire qu'on a 16. On peut facilement déduire qu'on a 16 cellules. 16 cellules, ça veut dire 16, c'est égal à 2 à la puissance 4. Ça veut dire que la taille du bus d'adresse, elle est de 4 bits.
Alors, pour segmenter cette RAM, qu'est-ce qu'on va faire? On va subdiviser l'adresse d'une cellule en deux parties. Ça, c'est la partie gauche. Ça, c'est la partie droite. La partie gauche, elle contient 2 bits. La partie droite, elle contient 2 bits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, l'adresse, elle n'est plus lue. Comme une adresse sur 4 bits. Elle est lue comme deux parties. La première partie, elle contient 2 bits et la deuxième partie, elle contient 2 bits. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? On va faire ça et on va observer. On va observer. Je vais commencer par faire ça. Je vais prendre cette partie. Si on observe bien, les 2 bits à gauche, ils n'ont pas changé. Si on divise l'adresse en 2 bits, ça veut dire les 4 bits en 2 bits, 2 bits, on aura ici par exemple la partie gauche, elle ne change pas. C'est exactement la même chose pour la deuxième partie. Voilà, ici c'est 0000, ici c'est 0101001, ici c'est la même chose, et ici c'est la même chose. Ça veut dire, si on subdivise la RAM, pardon, l'adresse en deux parties, partie gauche et partie droite, voilà, ici c'est, je vais l'appeler P. Voilà, ça c'est l'adresse, il y a 2 bits ici, il y a 2 bits ici. Si on divise sur le bus d'adresse ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce qu'on appelle des segments. Les segments, c'est les parties où les bits gauche, les 2 bits gauche ne changent pas. Voilà, ici, on vient de segmenter la RAM en 4 segments. Chaque segment, il contient 4 adresses. 4 adresses. Le segment 00, ça c'est le segment 00, ça c'est le segment 01, ça c'est le segment 10, ça c'est le segment 1. Dans le segment 00, on va supposer que ça c'est une partie indépendante, une partie indépendante de la RAM. À l'intérieur, on peut voir cette partie, les 2 bits restantes, comme une adresse. Ça, c'est l'adresse 00. Ça, c'est 01. Ça, c'est 0. Pardon. Ça, c'est 10. Ça veut dire 2. Ça, c'est 1. Voilà. Alors, cette cellule, elle va être lue différemment. Qu'est-ce qu'on va dire? Cellule à la base, son adresse, c'est ça. À la base, son adresse, c'est 0, 0, 0, 1. Mais son interprétation, on va la lire différemment. On va dire que cette cellule, elle appartient au segment 0, et c'est vrai, elle se trouve dans le segment 0, dont l'adresse, ou bien l'offset, le terme technique c'est offset. Offset, c'est un décalage. Offset en anglais, c'est décalage. Avec le décalage 1. Voilà, ça c'est le décalage 0, ça c'est le décalage 1, décalage 2, décalage 3. Avec le décalage 1. Voilà, c'est exactement ça le principe de la segmentation. Ça veut dire, pour résumer, la segmentation c'est quoi? C'est prendre les bits du bus d'adresse, les subdiviser. Là, j'ai subdivisé au milieu, mais c'est possible de subdiviser ici, ou bien ici, quelle que soit la coupure, vous pouvez prendre des positions différentes de la coupure. Là, j'ai pris le milieu. Qu'est-ce que j'ai supposé? J'ai supposé que ces 2 bits, ce sera les segments. Et les 2 bits restants qui sont à droite, c'est l'offset. Je vais écrire pour bien se rappeler, sans rappeler l'écriture. Ça, c'est segment. Offset, c'est écrit de cette manière. Offset. Offset. Offset, j'ai dit, c'est le décalage. C'est le décalage à l'intérieur du segment. Ou bien, c'est l'adresse à l'intérieur de ce segment. Voilà. Maintenant, l'offset, il contient 2 bits.
Voilà, c'est ça la segmentation. Je vais faire un autre exemple. Par exemple, cette cellule. Je vais prendre cette cellule. Si on observe l'adresse en entier, c'est ça. C'est 10, 10. C'est 10, 10. Mais si on la lit en segmentant, qu'est-ce qu'on va dire? Cette cellule se trouve au segment 2, au deuxième segment. Au deuxième segment. Et son décalage à l'intérieur du segment, le segment, c'est ça. Il commence d'ici, termine. Ici, ça c'est l'adresse 0, ou bien le décalage, l'offset 0 dans ce segment. Ça c'est le décalage, l'offset 1. Ça c'est 2. Ça c'est 3. Cette cellule c'est quoi? C'est 2. Voilà, c'est 10, ça veut dire c'est 2. Son offset c'est 2. Voilà, c'est le segment 2, l'offset 2. Voilà, c'est ça exactement le principe de la segmentation. Physiquement, est-ce qu'on a modifié électroniquement la RAM? Non, on n'a pas touché électroniquement la RAM. Mais si on subdivise les bits de bus d'adresse, on va à l'intérieur segmenter, on va segmenter la RAM en différentes segments, en différents segments de taille égale. Et je répète une deuxième fois la remarque, c'est que dans cet exemple, la segmentation, ou bien la position de segmentation, c'était au milieu. Mais c'est possible, il est tout à fait possible de segmenter comme ça, ou bien de segmenter comme ça. C'est tout à fait possible. La segmentation, vous la prenez comme vous voulez, mais généralement, la segmentation, elle se fait au milieu. Elle se fait au milieu. Voilà, on appelle ça une segmentation logique. Ça, c'est la technique de segmentation logique. Ça veut dire segmenter une RAM logiquement. Juste par analogie, c'est le même principe que des adresses humaines normales. Par exemple, on sait que l'adresse, elle est subdivisée par quartier, par bloc, par bâtiment, par étage, par le numéro de porte. Voilà, c'est exactement le même principe. Ça, c'est exactement le même principe. Là, on subdivise la RAM en plusieurs segments et à l'intérieur, on va adresser à l'intérieur du segment. On va faire un système d'adressage à l'intérieur du segment qu'on appellera offset. Voilà, c'est ça le principe de l'offset. Pardon, le principe de segmentation. Alors, juste pour bien comprendre, je vais faire un dernier exemple. Dans ce dernier exemple, je vais changer la position de segmentation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais segmenter comme ça. J'ai 4 bits. Comment je vais segmenter? Je vais segmenter de cette manière. Ça, c'est le premier bit. Deuxième. Troisième. Quatrième. Je vais segmenter ici. Voilà. Ça sera le segment. Et ça, ce sera l'offset. Alors, maintenant, comment ça sera segmenté? Les segments, c'est sur un bit. Ça veut dire, c'est facile, on va prendre ça. On va prendre le dernier bit. On va voir son évolution. Alors, le dernier bit, les premières parties, c'est 0 ici, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, jusqu'à ce qu'il devienne 1 ici. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça veut dire que cette subdivision ici sur les bits, elle va me subdiviser ma mémoire en deux parties, en deux segments. Alors, la segmentation, elle est ici. Elle va se faire ici. Là, c'est le segment 0. Là, c'est le segment 0. Et là, c'est le segment 1. Voilà. Et maintenant, quelle que soit la cellule, elle a une adresse par rapport au segment et le décalage à l'intérieur du segment. Par exemple, cette cellule, elle se trouve au segment 1. Je peux l'écrire. Voilà, c'est le segment 1. On va voir son décalage à l'intérieur si on observe bien, si on voit que... J'ai pas bien dessiné. Si on voit que les trois derniers bits, les bits les plus à droite, voilà, je vais prendre que les bits à droite. Et ça va représenter l'offset. Ça, c'est l'adresse 0, 1, 2, 3. Voilà, ça, c'est 3. Alors, je vais écrire ici 3 en binaire.
0, 1, 1. Qu'est-ce que je vais dire ici? Offset est égal à 3. Le segment, c'est 1 et l'offset, c'est 3 de cette cellule. On parle de cette cellule. Voilà, ça, c'est le principe de la segmentation. Il est très utile, il est très utilisé et très utile et applicable pratiquement à toutes les mémoires, à toutes les mémoires de ce type. Là, on vient de faire la segmentation sur n niveaux. Segment, offset. Mais on peut encore prendre plus de niveaux. On peut par exemple subdiviser sur trois niveaux. On peut par exemple faire deux subdivisions, par exemple comme ça et comme ça. On va dire ça, c'est le segment, ça, ah pardon, ça c'est la plage, ça c'est le segment et ça c'est l'offset. Faisable. Vous pouvez trouver ça. En tout cas, à chaque fois que vous faites une division sur les bits de l'adresse, vous allez subdiviser logiquement à l'intérieur la RAM en plusieurs morceaux égaux. Plusieurs morceaux égaux. Voilà, ça c'est le principe de la segmentation.